Bonjour YouTube, on est actuellement en découverte de jeu indé en live donc sur ma chaîne Twitch. On est donc sur Choice Chamber, donc le chat du live peut décider de m'aider ou de mettre des bâtons dans les roues. On est parti du coup, on a déjà fait une petite partie d'échauffement, on va lancer une seconde partie. Let's go. Donc là on a notre... Ah, on a l'arc. On a notre arc, très bien. Donc là, la question c'est quelle arme du coup me donner, l'épée, l'arc ou le marteau. Je vous laisse voter. Une épée pour Alekos et un arc. Je sais pas ce qu'ils vont choisir du coup. Ah d'accord, là c'est combat. Donc ça va être aléatoire, j'imagine, entre l'épée ou l'arc. L'épée, ça doit être chaud, corps à corps, ça doit être assez... assez compliqué, mais à tester du coup. Oh, n'avance pas. Chaud. Donc là, improuver, améliorer le saut, donc soit plus haut, soit un saut double, soit pogo, donc c'est ce qu'on avait juste avant. Double. Oh, n'avance pas. Heureusement qu'il y a du recul. Donc double et double, très bien. Saut double, ça peut être cool. Et donc là, qui veut être le capitaine de la pièce, de la chambre? Je sais pas ce que ça fait, hein, par contre. Il faut mettre Pick Me. Mais comme vous êtes deux, je sais pas qui sera choisi, ce sera du hasard également. Et donc, enfin, amélioration de l'arme, plus de force, plus de vitesse, ou plus de critique. Je sais pas ce que ça fait d'être le capitaine de la room. J'attends histoire que tout le monde ait voté. Ok, deux entrées. Est-ce qu'on attend que le temps soit terminé? On a un arc. Ok, donc aléatoirement, le jeu a décidé un arc puisque dans les votes, c'était arc ou épée. Donc, le jeu a décidé l'arc. How do you like your enemies? Tiny ou husky? Comment vous aimez les ennemis? Petits ou... Je sais pas quoi. Husky, je sais pas du tout ce que ça veut dire. Ouais, à la limite, on ira jusqu'au pont. Ah, il y a beaucoup d'ennemis. Ah, là, ils vont me... Ah, yes. Ah, on a récupéré... Ah bah oui, on est mort, c'est vrai. Tiny Husky. Donc là, on a... Double jump. Ah, ça, c'est cool. Ah, pour le pont, ça va être bien. Donc Alekos a été nommé chef de... Ah d'accord, au bout de 10 pièces, tu ne seras plus capitaine. Je sais pas du tout ce que ça veut dire. Hein. Est-ce que tu as deux voix au lieu d'une ou... Je sais pas. Oh, il a anticipé sur mon double saut. Ah bonsoir Shkeba, merci beaucoup, merci beaucoup. Bienvenue, bienvenue, on est sur Choice Chamber du coup. Donc tu peux participer soit à m'aider, soit à me mettre des bâtons dans les roues avec les questions qui sont en haut à droite. N'hésite pas à voter si tu veux. Donc là, le chat a décidé que j'ai plus de vitesse dans les tirs et que les ennemis soient husky. Je sais vraiment pas ce que ça veut dire. Donc comment vous voulez que je quitte ce monde? Je sais pas si c'est moi ou si ce sont les ennemis avec des chunks, des lasers ou des confettis. Ah Wow, de d'un coup. Salut, tu deviens une star. J'espère que tu vas faire comme d'autres stars. Mais qui parles-tu? Confetti, ok. Donc Alekos a choisi les confettis, mais je sais pas si c'est moi qui meurs en confetti ou si ce sont les ennemis. On va voir. Waouh! Donc là c'est quoi? Donc la taille des pièces, donc plus grande ou plus petite. Ah oui. Ce sont pas les ennemis a priori qui partent en confetti, donc ça aide moi.
Et donc les armes, plus de force, plus de vitesse ou plus de critique. Non, le double saut, il est vraiment bien. Par rapport à Pogo, là, c'est royal. C'est beaucoup plus fou. Ça fait plaisir. Au moins, on n'est pas tout le temps en train de sauter. Confetti. Ah, c'était pas encore activé, d'accord. Wow! Ok, donc messieurs, ça va être à vous de jouer. Donc, déjà, arme magique avec du feu, de la glace, des éclairs ou rien. Ah, d'accord, il y a des stars qui se suivent devant. Bon, je ne savais pas, mais non, je vais très bien à ce niveau-là. Et donc, ensuite, vous décidez. Choisissez une colonne entre 1 et 5. Ok, très bien. Donc là, en fait, c'est de la coopération entre vous. Vous allez devoir faire en sorte que les colonnes ne soient pas trop hautes si vous voulez que je passe. Après, vous n'êtes pas obligé de me laisser passer. Ok. Faut pas que je meure. Alors, comment... Ah, d'accord. 1, c'est celle de gauche. 2, c'est celle de où je suis. 3, c'est la... Ok. Je crois que c'était la taille, mais en fait, non. Donc, en fait, il va falloir vous empiler les choses. D'accord. Chaud. Donc soyez soyez coordonnés si vous voulez que ça fonctionne. Moi je réagis comme je peux. Ok. On gère. Ouais, vous gérez pour l'instant. Il y a de la coopération, c'est bien. Par contre, il va falloir à la hauteur, on est bien. Voilà, il va falloir avancer un petit peu sur la droite. Nickel, nickel, nickel. Ça avance, ça avance. Je fais attention de ne pas me faire écraser, je crois qu'on peut mourir. Vous pouvez aller à 4, à 5. Ah oui. Whoop, whoop. Ok, donc là, encore un petit effort et on y sera. Je me méfie, pas me faire écraser. Attendez. Ah non, c'est bon en fait. J'ai le double saut, ça passe. J'avais oublié que j'avais le double saut. Merci, messieurs. Merci le chat. Faster attack, très bien. Les pièces sont plus grandes donc. Donc pour YouTube, il y a un petit délai au niveau du chat, c'est normal si vous voyez des petits chiffres au-dessus. C'est tout à fait normal. Donc on a le fire mode. Je sais pas comment ça fonctionne par contre. Zut, automatique. Je sais pas. Waouh! On peut vraiment mitrailler. Par contre, le fire mode, je sais pas comment. Welcome to the shop. Vote on something high. Nice. On a 79. Donc en fait, ça doit être à vous, je pense, de voter soit pour Burning, soit pour Pure, soit pour Slot. Ah non, Slot, on peut pas, on n'a pas assez d'argent. Donc c'est à vous de voter. Vous voyez qu'on a sous mes cœurs, sous les cœurs, on a 79 d'argent. Pure. D'accord, donc à la fin du chrono, on aura un cœur supplémentaire. Ah ouais, on a perdu de la vie en plus. Et je sais pas ce que c'est que ça, Burning. Ah non, c'est moi qui ai voté, d'accord. Oups. Bon bah de toute façon, il y a plus de votes pour. J'avais pas fait attention, je croyais que c'était juste un morceau de. Un caillou? Pas du tout. Je vais me mettre là, on va attendre. Ok, donc on a de l'argent. Donc là, ouais, c'est vous qui avez vraiment le contrôle de ma partie, hein. Là, je fais juste sauter, tirer, moi. Ah, je pourrais forcer. Ah, mais il y a plein de choses à faire, en fait. J'aurais pu forcer le premier truc si j'étais pas content de votre choix. J'aurais pu, je sais pas, voter pour les deux, en fait, a priori. Ok. Floor may be sticky, icy ou spiky. Donc le sol peut être collant, glissant ou avec des pics. Donc là. Par contre, je sais pas si c'est maintenant ou pas. Je me méfie parce que s'il y en a qui choisissent spiky, ça va faire mal. Ça va être pour la prochaine pièce. Want some extra earth, c'est ce que l'on veut, des cœurs supplémentaires. Oh, la moyenne du total.
entre 0 et 3. Alors je sais pas si c'est des cœurs supplémentaires, si j'en avais perdu, ou par rapport à ce que j'ai actuellement. Je pense, ouais, ça doit être pour les prochaines salles. Attendez, pourquoi est-ce qu'il me... Ok. Les deux, beaucoup d'énergie. Ah oui, pour la situation là-bas. Ouais, je pense que... Alors là, il y a moment d'améliorer l'arme, force, speed ou critique. Et comment vous aimez vos ennemis, petits, grands et husky. Je sais pas, ça doit être plus résistant peut-être. Donc c'est quoi? Sticky Flowers. Ok, donc... Sol collant. Donc, je sais pas. Est-ce que c'est ça? Ah, on a du feu aussi, c'est vrai qu'on les brûle. D'accord, ah oui, d'accord, on peut plus avancer quand on est dans ces petites zones là. Petites zones violettes. Hop. Je peux pas me déplacer, je suis obligé de sauter en fait. Hop. Ok. Ils prennent feu en plus, ça c'est cool. Donc là il y a, comment vous aimez vos ennemis, petits, grands ou husky. Oh bah lui il s'est suicidé. C'était le saut dans le vide. On a eu deux cœurs. Ah ouais, c'est pas des cœurs supplémentaires, c'est dommage. On a plus de vitesse d'attaque. Watch Wade ou Ramps Go. Dans quel sens vont aller les rampes? Quelle rampe? On va les faire suicider tous. Oui, c'est mon anniversaire, Lapinou, ouais. Bienvenue d'ailleurs. Bienvenue, bienvenue. J'espère que tu vas bien. Ah, du coup, c'est chiant, je suis collé là, je suis vraiment collé au sol, je peux pas me déplacer. Et bonsoir. Bonsoir. J'espère que ça va. Donc là, Lapinou, n'hésite pas à voter, je sais pas si tu connais le jeu. Et n'hésite pas à voter, il y a les questions juste en haut, avec les trois réponses à chaque fois possible. Et donc voilà, chacun... t'as juste à taper ce qui est marqué, puis c'est parti. Donc des ennemis grands, de grands ennemis, très bien. Plus grand, plus gros. You can't see me, enemies. Ah d'accord. Soit le héros, soit les ennemis. Je ne verrai pas les ennemis, soit le sol. Merci Hunter, bienvenue. Il y a du monde ce soir, ça fait plaisir. Beaucoup de monde, ça fait plaisir. Bienvenue à tout le monde. En plus, c'est un jeu qui est parfait quand il y a un peu de monde. Donc du coup, pour ceux qui ne connaissent pas, on a des questions qui pop régulièrement. Et du coup, il suffit de répondre pour une des deux ou trois réponses possibles. Ah oui, c'est les ennemis qui partent en confetti d'ailleurs. Heureusement que j'ai le double saut grâce à cause de ce sol collant là. On a un coup critique en plus. Taille des pièces plus grande. Alors je sais pas si c'est à mon avantage ou pas. J'imagine que si, déjà au niveau des déplacements, ce sera plus simple. Si on veut échapper à des ennemis. Donc dans les prochaines salles, ou à partir des prochains coffres, on aura des ennemis invisibles. Ce sera génial. Je sais pas où je sais pas comment je ferai, mais du coup on va sauter dans tous les sens. Rooms now go down. Ok, donc je sais pas, les pièces vont aller vers le bas maintenant, j'imagine. Et les ennemis, donc à partir de maintenant, les ennemis sont invisibles. Merci. Je sens que ça va être compliqué. Oui, et bon anif, Lapinou, exactement. Apparemment, ce serait ton anniversaire, si j'ai bien compris. D'accord. Voilà, donc là, c'est le cas. Il y avait des ennemis, on les voit pas. Ah, d'accord, il y a un ennemi ici. Oh là là, ok. Ah d'accord, il y avait un truc qui sautait. Oh le bordel. Il y a un truc qui est au-dessus de moi. 10 ans de plus, d'accord. Bah, bon anniversaire en tout cas. J'essaye, hein, mais je le vois pas, j'arrive pas à le voir. Je vais avancer, je vais pas rester sur place. Je vais pas... Je mitraille pourtant, hein, mais... Non. Il m'a eu.
Je savais pas où il était et j'ai pas réussi à. J'étais obligé d'essayer de le tuer pour avancer dans la pièce. Mais il m'a eu, les ennemis invisibles, c'est trop chou. En fait, ceux qui volent, c'est la galère. Bon, malheureusement, on sera mort. On est reparti du coup. On est reparti. Bon, ça va, ça fait qu'une vingtaine de minutes qu'on a. Ouais, là, les ennemis invisibles, c'est violent. Du coup, on est reparti. Nouvelle partie, du coup. Donc, nouveau choix. Premier choix, toujours le même. Épée, arc ou marteau. Ah, le marteau est en haut, j'avais pas vu. Oui, c'est un gros truc. Ça doit être assez lent, mais très puissant. Oui, l'épée, on peut essayer. L'épée ou le marteau, ouais, n'hésitez pas. L'épée, ça peut être pas mal. Plus rapide, corps à corps, par contre, mais. Après, le marteau, ça peut être sympa. Hein. Les deux peuvent être. Allons-y pour le marteau alors. On verra. Je pense que ça va être très violent. J'aime beaucoup pour l'instant ce jeu, c'est assez rapide, il y a pas mal de questions. Du coup le chat est plutôt bien sollicité, il n'y a pas trop de temps mort et tout dans les questions et dans les timers. Le jeu est plutôt bien foutu à ce niveau-là. Thor. Oups là. Ah oui, on n'a pas le double saut, ça me perturbe. Ah, le double saut ou le saut plus haut ou Pogo. Pogo, c'est marrant. C'est un peu plus difficile, mais c'est marrant. Enfin, quoique, ça reste contrôlable puisqu'on peut rester appuyé sur les chats pour rester à terre. Oh, on a. Qu'est-ce que c'est que ça? Je veux. On a un cœur doré, donc ça doit être un. On peut prendre un dégât supplémentaire. Ah, alors le fameux capitaine de. Alors, pas de la soirée, malheureusement. Mais au moins de la pièce. On a le marteau. Wow. On peut faire. Ok. Le plus rapide, c'est ça. Poke me. Bam. Ok, c'est du one shot. Enfin, pour les petits en tout cas. Oh yes. J'essaie de récupérer l'argent quand même parce que. Ah ouais, alors là ça va être compliqué, j'ai pas le double saut en plus. Ah si, c'est bon, ça passe. Ok, ça le fait en fait. En fait, en sautant, il est bien, il est rapide et il est puissant. Alors, double saut, très bien, ça c'est un plaisir. Ah, Uba est donc le capitaine des 10 prochaines pièces. Colin, one gift per room, c'est un. Ah, Uba, tu peux. Donc, le prochain capitaine également, pour les prochains capitaines pourront. Si par exemple, Uba, tu dis argent, enfin gold, a priori, je devrais récupérer l'argent. Tu peux mettre ennemi. Donc, une fois par pièce. Bombe, vide, aléatoire ou resign. Je sais pas ce que c'est. Peut-être pour annuler le vote de la dernière question, je sais pas. En tout cas, tu peux faire des choses. Uba qui est heureux d'être capitaine. Ah donc en fait c'est ça, ça permet de. Tu as quelques pouvoirs supplémentaires. Tu peux call des ennemis a priori. Ennemis, je sais pas ce que c'est. Ah, tu as enlevé la question. Tu as le pouvoir de supprimer la question. Ou de. Ah non. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que. Ah, tu as call une bombe. Bah merci. Ça a marché. Pour tout le monde. On est powerful. On est bien plus fort et les ennemis seront plus petits, plus minces. Ah, alors là, pour ceux qui n'étaient pas là jusque-là, c'est de la coopération entre vous. Il va falloir donc appuyer, enfin mettre entre 1 et 10, sachant que 1, ça va être faire un bout de pont ici, et 10, ça va faire un bout de pont de l'autre côté. Non, c'est la hauteur. Oui, c'est la hauteur. 1, ça va faire un bout de pont à mon niveau. 10, ça le fera extrêmement haut. Ok, sachant que j'ai double saut, donc vous pouvez être. Enfin voilà. Vous pouvez essayer de. Faire quelque chose de un peu plus. Ah, double saut, ça passe. Non, pas de bombe. Uba qui essaye de me tuer. Ah bah je passe, hein. Moi je change de pièce. Ah non! Il y a la bombe. Ok, c'est bon. Ah la bombe, tu peux mourir direct en fait. Ouh, le petit critique qui fait plaisir. Uba qui essaie de me tuer, hein. Vous retiendrez ça.
Ok, ça va. Le marteau, il est cool. En vrai, il est très puissant. J'avais peur que ce soit laborieux. Mais il est très cool. Un peu lent, mais très puissant. Donc... Qu'est-ce qu'il a collé? Il a collé une bombe. Aïe! Non, c'est bon. J'ai envie d'utiliser la bombe. Allez, on va les faire venir sur la bombe. Est-ce que ça... Ah! Ok, donc la bombe... Ah, avec un arc, ça peut être très utile, je pense. Avec un marteau, ça va être compliqué. Faut pas que je prenne de dégâts. Bon, ça, c'est bien, parce que du coup, j'ai pas besoin de suivre pour les votes. Ça se fait bien. Bien tranquille. Alors, Chunks, donc les ennemis... I like the cut of your Gibbs. Descent win... Ok, et... Ah, faster attack, parfait, avec le marteau, c'est très très bon. Le seul truc que j'ai rendu. Alors là, pareil, donc pour... Ah bah, là, il n'y a pas trop le choix, on n'a pas assez d'argent. On aurait pu avoir un cœur supplémentaire. Enfin, voilà, un cœur doré. Salut, Lice999, bienvenue sur le live. Bienvenue, bienvenue à toi. Ah non, c'est quoi? Ah. Ouais, au pire, je vais le casser. Après, est-ce qu'on... Ok, ah, je peux tricher. C'est cool. Need more money. Ah d'accord, avec les... Sub, a priori. Room, maintenant... Ah d'accord, elles sont moyennes. Elles sont de taille moyenne, et... Ice mod. On a un marteau de glace. Qu'est-ce qu'il fait? Oh! Oh, avec le marteau, c'est violent, ça. Wow. Oh, le marteau, c'est trop puissant avec la glace. Bon, je sens que c'est encore une bombe. C'est quoi, Zeklove? Donc, plus de cœur. Je vois Lace 999 qui colle un Zekielov, Zeklov. Ah, d'accord. Ce serait un bot. Désolé, j'étais un peu perdu. J'étais un peu... Ok, perturbé. Alors, hop. Oh, il m'a croqué tellement vite, lui. Mais en fait, ça sert à quoi, les cœurs dorés? Parce qu'en fait, accessoirement, ils vont très très vite. Et Ouba qui colle encore des bombes, il essaie de me tuer. Ah, Ouba, merci pour le cœur. Ouba, je ne te félicite pas, ça a failli être le danger, la mort. Le suicide. Ah. Non, pas le cœur en pique. Ah, il fait quoi le cœur en pique? Ah, il meurt quand il tombe. En anglais, Ouba. Hop, il y a du monde, il y a du monde, il y a du monde, c'est assez intense. Enfin, intense, ça va, mais... C'est speedo, sachant que le marteau est un peu plus lent. Et il fait... Ah, il recule aussi quand il tape. Non! Oui, je veux la pièce. C'est vrai qu'on dirait un petit peu un lapin à sauter partout. Hein. Attaque plus rapide et... Oh, des sols qui... avec des pics. Ok. Ah ok, d'accord. Vous êtes pas bien, vous êtes taré. Bon après c'est mieux que les ennemis invisibles. Ah! Ok. Ah ça marche aussi pour les ennemis. Oh, c'est le bordel. C'est le bordel. C'est bon. Pfff.
C'est quoi, c'est... Ah, chaque saut, les pics se déplacent. Très bien. Donc là, ok. Faut pas que je saute, et ça va le faire. Ah! Ah, c'est chaud. Hurt, Heart. Bah, qui met une bombe. C'est quoi le truc suivant, les pics suivants? Ouf. Donc si je saute une fois, il sort. Si je saute pas, et si je ressaute une deuxième fois, il saute pas. Il rentre. Ok. Ok. Donc là, un saut, deux sauts. Ok. C'est chaud. C'est chaud, c'est chaud. Alors, les pièces vont commencer à descendre. Les ennemis sont plus grands et le sol est invisible, vous êtes sérieux? Et les pièces sont immenses, elles sont grandes. Ah, un petit cœur. Merci. Merci. C'était chaud, hein, là, les pics. Ah. Alors, je suis pas sûr, mais je crois que je prends des dégâts que je le prends. Est-ce que je teste? Je suis pas sûr, j'ai un doute. Bon, on teste? Ok, donc c'est un cœur à la con ça. Il faudra qu'on le retienne. C'est vraiment de la merde ce cœur. C'est dégueulasse. Bon, ben, on est reparti. Donc ouais, donc les cœurs en pique, il faut avoir d'autres cœurs à la place si on veut le prendre. Ouais. C'est dégueulasse. course, non, on va peut-être pas s'énerver avec la course. Bah oui, la dernière. Enfin ouais, je l'ai eu un moment, mais je suis pas sûr d'avoir perdu un cœur à ce moment-là, je sais pas. Peut-être eu un truc particulier. On est parti du coup. Bah en fait là, je suis tombé sur un cœur maudit, mais. Ah, j'étais trop rapide, Hunter. Donc là, première question, arc, épée ou marteau? Bon, pour l'instant, on a testé l'arc et le marteau. Marteau qui est plutôt cool. Pourquoi il est puissant lui? Qu'est-ce qu'il a lui? Pourquoi il est puissant? Il résiste beaucoup. On dirait un truc de teuf. Hop. Le saut. Allez, meurs. Vous les avez fait devenir plus puissants, quoi. Pogo! Oh mon dieu, Pogo. Ils sont. Je sais pas, je les trouve plus résistants que. À moins que ce soit par rapport au vote. Ah! Un petit critique. Donc, qui veut être le capitaine de la room? Utiliser Pick Me. Bam! Oh, deux gros. Ils sont. Je les trouve vachement résistants. Je sais pas ce qui s'est passé là, mais. Est-ce qu'on les touche? Oui, a priori. Ok. Meurs! Voilà. Ah, ok. J'ai peur, du coup, j'ai pas tout suivi. Ah, on a l'épée. Ok, l'épée. Ok. Et Pogo. Pogo, je saute tout le temps. Si j'appuie sur espace, il arrête de sauter. En fait, c'est inverse. En gros. Donc là, je vais tout le temps en train de sauter. Après, c'est pas plus mal, parce que là, du coup, on va être encore à corps. Donc les ennemis, ce qui sont Huskies, ce qui sont Tiny. Allez, venez, je vous attends. Ok, ça va, l'épée ça a l'air assez assez puissant et assez rapide en même temps. Ah, Aleko, c'est le. Donc Aleko, tu peux gérer donc cœur, argent, ennemi, bombe, vide, random ou resign. Je sais pas ce que c'est resign. Et donc on va avoir plus de critiques. Wow.
Faut pas que je reste en dessous de ces trucs là. Plus de critiques. Ouf. Qu'est-ce que c'est que ça? Ok, l'argent. Est-ce que les caisses... Je pense que la couleur des caisses indique ce qu'il y a dedans. Allez, reviens. Ah non. Quoi? Le truc, il est tombé tellement lentement. Attends, je vais le faire descendre. Voilà. Il est chiant, lui. Et ça, c'est quoi? Des ennemis plus petits. Random pick. Watch those ankles. À moins que ce soit... Ok, je sais pas, ça doit changer par rapport à... Oh, on a quoi? Un cœur de feu! Ah, c'était un cœur de feu, d'accord. Je sais pas ce que fait le cœur de feu, mais en tout cas, on a un cœur de feu. Merci bien. Hop. Wow, ah oui. Donc, messieurs, encore une fois, petite phase de coopération. Donc... 1, ça va amener un bloc ici, 2 ici, 3 ici, 4 ici, 5 ici, à peu près. Donc je vous laisse voter, sachant qu'il va falloir empiler les blocs. Donc pour l'instant je me mets... je reste pas à un endroit parce que je risque de me faire écraser. Ok. Pour l'instant, on fait un niveau. Ok, alors pas à gauche. Ça peut être dangereux. Oh, joli. L'escalier qui prend forme très vite. Alors, va pas falloir que je me loupe en plus. Parce que si je loupe un étage, je pourrais pas... je pourrais pas grimper. J'ai pas le double saut, j'ai que le saut simple. Et j'ai pas envie de me louper là, par exemple. J'ai pas essayé de... Je pense pas que ça passe. Ah si, ça passe. Ok. Nickel, messieurs. Ça a été très rapide. C'est vrai que vous êtes assez nombreux, du coup. Voilà. Oula. Ils vont me remplir la salle. Allez go. Quelle coopération dans ce chat, magnifique. Plus de critiques encore, donc on va être très puissant, on va te faire très très mal souvent. Là je me méfie, y a pas de sol dangereux ou quoi. Oh. Qu'est-ce que c'est de l'argent? Très bien, merci. À l'écoute du coup. Ah toi viens là. Ok, c'est bon. Qu'est-ce que c'est? Ah c'est bon, on a... Oh, qu'est-ce que c'est que ce cœur? De la chance? On a un cœur qui est content. Confetti, d'accord, donc tous les ennemis maintenant et moi-même on disparaîtra en confetti. Et donc les pièces sont petites. Ah, c'est fourbe, ça, ça peut être. Ah, donc le premier cœur c'est mort. Oh, joli. Bon, on a trois types de cœurs différents. Bah là en fait on n'a pas besoin de perdre de l'argent. Clairement. Est-ce qu'on peut annuler? Est-ce qu'on peut annuler? Ça fait quoi? Ok. On n'a pas besoin de... Spiked! Archkebak qui veut me faire perdre un cœur. Pure. No mode. Ah oh, bah d'accord. Vanilla Warrior, Tasty Vanilla Warrior. Le troisième c'est un... Ah c'est un slot! On avait assez? Ah j'ai pas fait gaffe! Désolé, j'ai pas fait gaffe! Je croyais que c'est... Oui j'ai pas... C'est vrai que tout à l'heure on s'en avait pas servi du coup j'ai pas... J'ai pas percuté que c'était un slot supplémentaire de cœur. Désolé. Et il était pas à 150? Tout à l'heure il était à 150 non? Là j'ai dû... Ah oh, désolé, je suis allé trop vite. J'ai pas fait gaffe que c'était un slot supplémentaire et pas un... Je sais pas, j'ai cru que ça nous enlevait un slot ou quoi, enfin... Je sais pas, j'ai bugué. J'ai pas regardé assez. Ah, il y a du monde. Ah. Toi, viens là. Ok. Là on va être très riche. Je sais pas c'est quoi ça, c'est peut-être des textures loupées. Ouais. Allez, un petit critique là. Aïe. Non c'est bon. Pour l'instant ça, on s'en sort très bien. Abusé, je suis retombé sur lui quoi.
Oh, ils sont chiants ceux-là. Je vais peut-être. Ouah, sérieux quoi? Le mec m'a bien eu direct. C'est bon, ils sont chiants ceux-là. Impressionnant. Faut pas que j'attaque quand il tape. Je crois que tu as déjà donné, il me semble, ou pas. Alekos, pardon. Tiny enemies. Est-ce que là ça. Je pense que si tu fais un gif, ça doit marcher, je crois. Attendez. Voilà, c'est insupportable le saut. on va continuer du coup. Ouah, on va les faire tomber dans le vide ou pas? Ah non, va pas dessus. Oh non, un cœur en pique. Oh, c'était chaud ce saut là. C'est un peu téméraire. Ok. C'est bon. Juste faire attention au cœur pique. C'est le stress, hein. You can't see me. Non. Oh oui. Merci pour les cœurs, je crois que c'est vous qui avez voté. Merci beaucoup. Et que des sols. Ah ça va. Sol collant. Encore un cœur. Qu'est-ce qu'ils font? Pourquoi ils sautent? Les ennemis sautent aussi tout le temps. Qu'est-ce qui se passe? Arrête de sauter! Je peux pas l'avoir! Ah si, faut que je saute en même temps. Oh là là, insupportable! Ça devient compliqué. Oh. Ouh. Tout le monde saute, c'est le bazar. On est plus fort et elles vont monter, d'accord, les pièces vont monter. Ah, ce qui est bien, c'est que je peux me déplacer tranquillement avec ces trucs-là, puisque... Ok, tous les ennemis. What? Qu'est-ce que... Oh non! Ah, il est chiant en fait, faut pas le toucher lui, faut que je me casse. Voilà, on va avancer, on va prendre de la hauteur. Nada! Ah, la feinte! Non! Ok, chiant ce truc là. Ok, ok. Non! Ah, qu'est-ce qui m'énerve ces ennemis là? Ok. Il y a encore plein d'ennemis qui arrivent. Calmez-vous. Merci, un petit cœur. Avec plaisir. Ok. Oh, ça devient coriace là. Le bleu là, il est en fait dès que tu le touches. Les autres, ils ont pas. Il faut qu'ils tapent pour qu'on meure. Mais les autres, dès que tu les touches. Oh là, ça devient compliqué. Dès que tu les touches, les bleus là, ils te touchent, ils te tuent. Barrez-vous. Eh, il est costaud en vrai ce jeu. On dirait que c'est un petit jeu comme ça, mais il est assez exigeant au bout d'un moment. Surtout avec tous les bonus et les malus qu'il y a. Ok, vous avez décidé qu'on soit invisible, les pièces vont être de taille moyenne. Oh, le double saut, merci. Merci beaucoup. Un petit cœur. Yes. Want other cool powers? Ah ouais, d'accord. Vous m'avez mis invisible au moment du boss. Qu'est-ce que... D'accord. Je ne savais pas qu'il y avait un boss. Je suis où? Ok. Ah, je suis mort. Je sais pas où je suis, je sais pas ce que je fais. Un petit critique, ce serait... D'accord. Je sais pas où j'étais. Je sautais, je crois, mais... Ouah, c'est chaud. C'est très très chaud.
Oh, du coup, le. Merci. Merci. Bah, tu vois, on a réussi à arriver jusqu'au boss. GG à vous aussi. GG au chat. GG à vous. On est parti. Je pense que ce sera la dernière tentative. Ouais. Et vous pouvez. Il n'y a pas de known. C'est que héros, moi ou ennemi. Il n'y a pas de known, je crois. Merci, merci, merci à vous. Merci à vous, hein, GG à vous. Vous avez réussi à être très coopératif et très, très coopérant avec moi. Le bow. Ah, au début, il est très. Je sais pas. C'est vrai que je. Parce qu'il y a quoi en général? Il y a pas le sol aussi? C'est vrai que le sol en invisible c'est chaud. Je sais pas quel est le mieux. Bah. Je pense que le mieux c'est le héros invisible. Après. Pour le boss c'est compliqué mais. Si c'est que pour les ennemis, ça peut le faire, parce qu'avec le saut, on voit, on a un petit repère. Donc à la limite, héros invisible, ça peut le faire. Oui, peut-être. Après, je sais pas ce qui a été choisi, du coup, en arme. Oula, qu'est-ce qu'il a, lui? On a un super héros. Enfin, un super ennemi, pardon. Un super vilain. Qu'est-ce qu'il a? Midas? Qu'est-ce que c'est? Oh, ok! Je fais des. Genre là, je tue tout le monde en one shot. Enfin, je crois. You got a bow. Ah, yes! C'est ça? J'ai dû. Ah, yes! C'est vous qui avez choisi ça? C'est trop bien! Bon, eux, c'est normal. Mais. C'est pas mal ça! Je suis power charged. Stylé. Donc Pygmy, ça vous permet d'avoir quelques pouvoirs supplémentaires. Speed. On a le double jump, très bien. Donc là je suis surchargé, là je fais du one shot avec l'arc, c'est trop bien. Ah non, parti, Midas a disparu. Il faut avoir un autre ennemi un peu avec une aura jaune là, je pense. Plus de critiques et Alekos est de nouveau en Captain Room. Oui, il saute pas très haut, c'est vrai. Aïe, non, ça va. Oh, ils sont casse-pieds, eux. Ah! Reviens. Sérieusement, j'arrive pas à la voir. Oh, ah oui, c'est vrai, j'ai double saut. Pratique. Hop. Ouais, ça marche pas. Là, on est déjà à 255. Ça doit se cumuler avec la partie précédente, non? Parce que pour avoir autant de sous. High enemies. Ok, des ennemis plus grands. Oh! Jolie flèche. Ah oui, double saut, pas que j'oublie. Ok. On arrive à les avoir. Viens là. Tout cet argent. Alors. Les lasers, donc on va mourir en laser, c'est ça? Every death is a rave, c'est ça. Les ennemis et moi-même, si on. Ah, tu as. Ok, bah c'est bien, tu as. Oh, c'est très joli. Donc tu as révoqué ton statut de capitaine de soirée. Et donc du coup, les autres auront un vote. Voilà, il y aura un vote qui va se relancer. Et donc quelqu'un d'autre pourrait avoir, selon ce que choisit le jeu. Pour avoir le droit d'être capitaine de soirée pour 10 pièces. Plus de critiques. 310 de gold.
Alors, ah, le slot. Bah, du coup, le slot direct. Ah, j'imagine, hein. Bon, moi, je vote, en tout cas. Voilà, je vote pour le slot. Ouais, comme ça, tout le, enfin, plusieurs ont essayé. Du coup, on va le casser. 3 votes. Du coup, je vais accélérer les choses. Priori à l'unanimité. Yes! À l'unanimité. Un petit slot supplémentaire. Rooms are huge. On a got Lightning. Et Archkeba est un maître de soirée. Donc, en tant que capitaine de pièces, enfin de salle, tu as donc Earth, Gold, Enemy, Bombe, Enemy avec un seul N hein, en anglais, Bombe, Empty, Random et Resign. Resign, c'est pour révoquer ton droit de ton statut de capitaine. Donc, de nouveau, un petit pont à construire. Je vous fais confiance, vous êtes très efficace en général. Ok, avec un seul ennemi, tant mieux. Donc c'est la hauteur 1, c'est à mon niveau à peu près, 10 c'est très très haut. Ok. Ah, je crois qu'il y a quelqu'un qui a voté très très haut. Ou bas. À mon niveau. À mon niveau. Attendez. On recommence. Voilà. Parce que sinon je pouvais pas avancer, je sais pas où vous aviez voté, mais. Je sais pas c'est quoi. Ok, Enter, ça passe. Empty, je sais pas, ça doit être une fausse caisse, je pense, pour Archkeba. Je pense que ça doit être ça, Empty. Oh, Hunter qui. Oh là, qui a confiance en mon double saut. C'est bien, ça passe. Oh, on invoque les éclairs, on est tort. Ah bah, c'était quoi? Ah, il y a un vainqueur. Oh yes! Ah oui, en plus c'est la rêve partie. C'est magnifique. Incroyable, des lasers, des éclairs, c'est. Cette dernière partie est folle. Ah non, pas des pics. Pas que je saute, pas que je saute, pas que je saute. Pas que je saute, ou alors j'avance. Aïe! Ok, c'est bon. Godfaster attaque, très bien. Oh, un cœur de feu. Oh, j'ai pas trop compris ce que ça faisait. Je crois qu'on a tout à l'heure on a eu deux coups en gros. Tiny enemies, très bien. Ok. Oh la vitesse, ça fait plaisir. Incroyable, on est une mitraillette quoi. Merde. Il a même pas eu le temps de nous tirer dessus. Ouais, le lightning, ça doit bien renforcer les dégâts. Allez! C'est chiant à voir cela. Ok. Ce qui est bien, c'est que du coup, au bout d'un moment, t'as tellement, il y a tellement d'ennemis. Enfin, ça reste, il y a un rythme qui s'installe. Et du coup, t'as pas, j'ai plus trop le temps de lire les questions en fait. Donc, il y a le côté RNG qui est vraiment là. Là, par exemple, je sais pas ce qu'il y a. Et t'as pas forcément le temps de voir aussi le chat pendant les combats. Donc. Ah, ok, sol gelé. Ok, on reste pas sur place avec ces trucs-là. Oh, il a failli m'attaquer en l'air, lui. Wow! Ah, ça va vite. Reviens. Oula. Oula, ça descend de partout.
Rooms now go up. Très bien, ils vont monter. Et le héros est invisible. Très bien, donc là, il va falloir être concentré. C'est parti. Wow! On aligne juste devant, c'est de la triche. Incroyable. Alors, hop, on est là. On est là. Ah, en plus, avec la glace, ça va être sympa. Ah, si, c'est bien, on voit les flèches. Au moins, on peut se repérer. Il est où mon perso? Il est là. Ok, il faut que je tire tout le temps en fait. Quoi, c'est chaud. En vrai. Ah, en vrai, ennemi invisible, c'est super chaud. Héros invisible plutôt. C'est galère. Enfin, tout est galère en fait. Le truc invisible, c'est galère. Donc, je suis sur le bout du truc. Essayer de devancer les sauts. Ok. C'est chaud, chaud, chaud. Je fais un petit saut sur le côté. Enfin, je crois. Oh la vache. Je suis là. Les pièces sont encore plus grandes, du coup. Ah, on est visible? Je crois que oui. Yes, on est visible. En plus, on a l'arc, c'est parfait. Des petits critiques. Ah, ok, je m'attendais pas à ce sens-là. Un petit cœur. On va l'avoir, on va l'avoir. On l'a eu! On l'a eu! GG à vous! GG! GG, merci le chat. Incroyable pour cette dernière partie. Double jump. GG à vous. L'arc et tout, avec les critiques et tout, c'est... Vitesse d'attaque, arc et tout, c'est royal. Petits ennemis, l'éclair en plus fait très très mal. Du coup, cette partie qui va durer très longtemps... on devrait passer au jeu suivant. Au pire, c'est pas grave, on fera pas la pause. On continuera non-stop. Upward, sideways. Oula, il y a des trucs. Je sais pas c'est quoi la question, mais il y a des nouvelles réponses. Il y a des incroyables. Il y a le jeu qui se complexifie au fur et à mesure. Quoi? Vous êtes sérieux? Les pièces sont en flammes. Les ennemis sont plus grands. Qu'est-ce qui se passe-t-il? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'il a fait? Ah, aïe. Attends, avant la fin des maps pour que je te donne des trucs à chaque fois. Ah oui, exact. Wow. Donc le lightning qui ralentit un peu le jeu à chaque fois que ça tape. Donc non. Ah. Ouf. Wow, c'est pas loin ça. Ouh. Ah, wow, wow, wow. 500 de gold. Incroyable, on peut acheter tout ce qu'on veut là, je pense. On est tranquille. Hop, du coup j'attends un petit peu. Je crois que... Ouais non, si... Il veut pas descendre, j'ai l'impression. Au moins que tu aies déjà donné un truc dans cette pièce-là. J'ai l'impression. Dashing! Qu'est-ce que... They're going to name a base basketball shoe after you double tap, jump. Pas de soucis, Archive, je sais bien qu'il y a un décalage, il n'y a pas de soucis. C'est quoi le upwards dashing? Je saute plus haut? Golf? Ah.
Ok. Quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Je suis téléporté? Ah, le cœur arrive. Yes. Il est où? Ok. Nice, un petit cœur. Calme-toi, Warshkeba. Y'a pas le feu, t'inquiète pas. Pas de soucis. Ça va être grave si, je sais pas quoi. East, West, je sais pas ce que c'est. Je sais pas c'est quoi vos questions. J'espère que vous les comprenez parce que. Je me téléporte, c'est ça, non? Ah, je me suis téléporté dans la flamme, très bien. Oula, c'est quoi ce truc? Je fais des trucs bizarres. Je sais pas ce que je fais. Je sais pas, il fait des trucs bizarres quand je saute. Pas tout le temps. Je sais pas, je crois qu'il faut mettre une direction. C'est bizarre. Je sais pas, je sais pas ce que c'est. Il fait des trucs bizarres. Quand je fais du double jump très rapide, il fait un truc. Une TP en métier. Ouh, les pièces sont plus petites. Ah, alors là, il va falloir. En fait, si vous mettez rouge, les caisses rouges disparaissent. Si vous mettez bleu, les caisses bleues disparaissent, etc. etc. Donc il va falloir que vous soyez d'accord pour vous faire un chemin qui soit viable. Donc là, par exemple, si quelqu'un fait rouge, les pièces rouges tombent. Vous voyez? Donc je vais rester là pour l'instant. Et si quelqu'un fait bleu, les pièces bleues reviennent et m'écrasent. Ok, mais... Merci. Attendez, bougez pas, si ça passe. Nickel, en fait si, nickel, bien joué. Vous avez compté sur mon double dash, mon double jump. Ah, attendez, attendez, parfait. Incroyable ce chat lucide. Eastward Winds, ah il y a du vent. Ah très bien. All colors. Non, vous avez géré, vous avez fait un passage easy. Ok, donc maintenant il y a du vent, a priori. Ah oui d'accord, ok, oh oui d'accord. Ah, je me suis pris une flamme. Ok, il y a du vent, donc c'est très galère. Le jeu qui devient complètement fou. Ah, ce vent! Ah, j'aurais dû aller tout à droite. Et même... C'est le bordel, je sais pas où je vais. Ah, en plus, je me TP. Si je meurs, c'est énorme. Je sais pas où je suis. Il y a trop de monde. Ah non, le vent! C'est le bazar. C'est bon. Le vent, c'est quand? C'est tout le temps? C'est pas tout le temps? Ah, c'est peut-être uniquement quand je saute. Ah, d'accord. Oh, putain. Je pensais pas qu'ils seraient arrivés... Ah, je pensais pas qu'ils auraient juste sauté jusqu'ici. Oh. Ils sont fous. Oh. Petite... Ah, si, parce qu'il y a une petite marche. Du coup, ils ont réussi à avoir la hauteur qu'il fallait pour arriver à côté de moi. Je m'y attendais pas. Eh bien, bien joué le chat, on a été très très loin, du coup on a été à 20 pièces. Et c'est notre record, c'est notre record, merci, merci à vous, GG à vous. Non. La surprise des ennemis qui réussissent à me rattraper. Bon et bien du coup, YouTube, j'espère que vous avez apprécié ce petit jeu, donc Chaos Chamber, par le studio Galactic Café. Merci d'avoir regardé la vidéo, je vous dis à très bientôt, des bisous, ciao ciao.